Camille Guillemin est un écrivain, paysan, journaliste du début du XXe siècle. Il est né à Ygrande, il y a vécu toute sa vie. Il est peu sorti d'Ygrande pendant la guerre, le service militaire. C'était ses deux seules grandes sorties pendant sa vie. Émile Guillemin a des origines paysannes marquées et très symboliques. Marquées parce que le père et la mère venaient tous deux de ce milieu paysan, mais du côté de la mère, c'est renforcé par l'aspect communautaire. Et au XIXe siècle, il y avait de nombreuses communautés qui vivaient alors soit en Bourgogne, soit dans le Nivernais, soit d'ailleurs dans le Bourbonnais. Et ces communautés avaient pour caractéristique de pratiquer une autarcie, mais une autarcie bien entendu économique et alimentaire, mais aussi d'avoir entre guillemets, un avantage culturel, c'est-à-dire que c'est des gens qui apprenaient à être autonomes aussi très vite en termes de lecture, en termes d'écriture. Ce qui a marqué l'enfant Émile Guillemin, et qui très tôt a eu cette sensibilité et a pu avoir accès facilement on va dire, à la culture. Ce qui est important aussi de dire, c'est que Émile Guillemin, toute sa vie, a gardé ce contact lui-même paysan. Deux choses. D'abord, les trois maisons d'Émile Guillemin, celle où il est né, celle dans laquelle où nous sommes, où il a écrit La vie d'un simple, celle qui est un petit peu plus loin, qui est la dernière de sa vie, sont toutes sur cette commune d'Ygrande. C'est un ancrage charnel profond. Et puis Émile Guillemin, au quotidien, c'était l'homme qui vaquait aux travaux des champs, bien entendu, mais qui en même temps vaquait aux travaux de l'écriture. Donc quand on lit ses cahiers, on appelle ça les petits contes d'Émile Guillemin, la formule est intéressante. Et les petits contes d'Émile Guillemin, c'est ce mois-ci, mois d'avril de telle année, j'ai vendu 14 contes à tel et tel et tel journal, et j'ai vendu 12 kilos. De veaux, trois lapins et 12 œufs. Et donc c'est cet homme-là qui fait, c'est très symbolique, c'est cet homme qui fait l'addition de ces deux aspects, on va dire, génétiques, hein, qui sont d'un côté l'écriture et de l'autre la culture. La singularité d'un écrivain paysan, repose d'abord sur un acte fondateur, il faut soi-même être paysan. Et Émile Guillemin, était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, mais c'était aussi la vérité hier, un petit paysan, c'est-à-dire qu'il exploitait quelques hectares autour de la ferme familiale. Et pour Émile Guillemin, ne pouvait parler des paysans que celui qui travaillait la terre. Donc en fait, il y avait une très grande distance vis-à-vis des auteurs plus classiques comme George Sand, comme Balzac ou comme Émile Zola. Donc ça, c'est le premier acte fondateur. Le second acte, c'est de vivre charnellement le travail, on va dire, le grand œuvre du paysan. Alors La vie d'un simple, c'est un roman qu'on peut qualifier d'historique dans le sens où il balaye une époque allant à peu près des années 1820 jusqu'au tout début 1900, 1899. Et ce qui est intéressant, c'est que le Bourbonnais a eu une histoire paysanne particulière du fait du métayage. L'avantage de Guillemin dans La vie d'un simple, c'est qu'il a stratifié cette période et on voit donc décennie après décennie la vie de Thiénon et puis ses difficultés. Ce roman a eu un intérêt, il l'a encore aujourd'hui, oui, mais il a surtout un intérêt depuis un siècle. 1905, parution, devant moi ce gros ouvrage et l'édition de 1945 de Grand Luxe, mais il y avait une autre édition en 1930 de La Voici, et jusqu'au livre de poche, qui chaque année tire encore aujourd'hui plusieurs milliers, sans doute dizaines de milliers d'exemplaires. Donc oui, La vie d'un simple a encore un vrai sens aujourd'hui et beaucoup, beaucoup de gens se reconnaissent, alors localement dans le Bourbonnais, mais beaucoup de gens, dès qu'ils ont lu cette œuvre-là, reviennent à la notion de campagne, à la notion de terroir. Bien, Près du sol est le deuxième roman d'Émile Guillemin. Il raconte l'histoire d'une jeune fille, Maria Voreille, qui aimerait sortir de son milieu et qui voudrait s'affranchir de sa condition de jeune paysanne. Et elle fait des études. Et elle aimerait parvenir, c'est-à-dire
s'élever dans l'échelle sociale. Mais elle n'y parviendra pas et sa destinée sera tragique. On peut dire que c'est un roman de la condition féminine, au sens où Émile Guillaumin a essayé de mettre beaucoup de lui-même pour faire vivre ce personnage de Maria Vorey et la rendre la plus émouvante possible. Le suivant est Albert Manceau Adjudant, qui raconte la vie d'un jeune paysan qui s'engage dans l'armée et s'élève également dans l'échelle sociale. Puis Rose et sa Parisienne, qui est une sorte de chronique de la vie à la campagne à l'époque, et qui raconte un village qui ressemble très étrangement au sien, celui d'Ygrande. Et Baptiste et sa femme, c'est d'abord le roman de l'exode rural raté, puisque le personnage de Baptiste, poussé par sa femme, va aller ouvrir un cabaret en ville, à Montluçon, mais cette expérience va rater. Puisqu'au final, Émile Guillaumin veut nous montrer que le paysan n'est pas fait pour aller vivre en ville, puisque ce n'est pas son propre milieu. Le syndicat de Bourguignon, dans lequel Émile Guillaumin raconte son aventure de syndicaliste, ce qui est aussi un aspect important de sa vie. On peut qualifier les romans d'Émile Guillaumin de réalistes, puisqu'il raconte la vie à la campagne en tableaux très précis. Il a beaucoup reproché aux autres analystes de la ruralité d'observer les paysans de la fenêtre de leur château. Et lui, au contraire, cherchait à montrer la réalité rurale. Il faut dire qu'à l'époque, on parlait peu des paysans, ils étaient un peu le point aveugle de la littérature, et également, on n'avait pas de témoignages de paysans sur les paysans. Ces romans ont été écrits sur une période relativement courte, puisque le premier roman, La vie d'un simple, est paru en 1904, et le dernier roman, Le syndicat de Bourguignon, est paru en 1912. Son septième roman, Les mailles du réseau, n'étant pas paru de son vivant. Et effectivement, après la guerre de 14-18, il n'y a plus aucun roman. Il va consacrer la fin de sa vie non seulement à ses activités de journaliste, mais aussi à d'autres types d'œuvres, des œuvres de moraliste, des œuvres d'historien, et aussi des biographies. La biographie de François Perron, un aventurier bourbonnais, et la biographie de son ami écrivain Charles-Louis Philippe. Tableau champêtre, il a poursuivi cette écriture et cette réflexion toute sa vie. Il y a eu plusieurs éditions, au moins pendant une trentaine d'années, et Émile Guillaumin a peaufiné ce calendrier des travaux sur une année au quotidien. Donc ça l'a marqué toute sa vie. Ce qui est quand même très symbolique, c'est de voir que sa relation aux autres paysans a continué aussi toute sa vie, à telle enseigne que le second ouvrage que l'on attribue à Guillaumin et qui dans la réalité n'est pas du Guillaumin pur jus a été édité après sa mort, ouvrage posthume, sous la responsabilité morale de Daniel Halévy, un très grand écrivain de cette époque, et ça s'appelle Paysans par eux-mêmes. Et Paysans par eux-mêmes reprend la correspondance d'une vingtaine de paysannes, de domestiques, d'ouvriers, et de petits métayers qui étaient plus ou moins en révolte d'ailleurs avec leur temps, et qui ont, pendant 30, 40, voire 50 années, écrit à Émile Guillaumin, et lequel a répondu à ces gens. Donc il s'agit en fait de lettres qui ont été conservées toute sa vie par Guillaumin, et Guillaumin, de ce fait-là, a écrit dans Paysans par eux-mêmes la vie de cette vingtaine de personnes. À titre personnel, je trouve que c'est l'ouvrage absolument essentiel pour toute personne s'intéressant à la condition paysanne des années 1900 à 1940, on va dire. Émile Guillaumin était un véritable journaliste, un journaliste à part entière. Et d'ailleurs, à titre personnel, je pense que c'est l'un des aspects les plus intéressants de sa carrière. Il a écrit 1500 articles dans des journaux locaux et nationaux, et donc on peut dire que c'était un véritable journaliste professionnel. Il en écrivait quotidiennement. D'ailleurs, je suis en train de préparer une thèse de doctorat sur l'œuvre journalistique d'Émile Guillaumin, et on voit à quel point
c'est une œuvre qui a nourri sa pensée et qui peut nourrir encore une pensée aujourd'hui. Dans ses articles de presse, on voit plusieurs intérêts. D'abord, le premier intérêt, il est historique, puisque devant nous, on voit se déployer 50 ans d'histoire de la campagne en France. Émile Guillemin était un véritable chroniqueur des campagnes, un vrai sociologue des campagnes aussi, puisqu'il a décortiqué dans ses articles minutieusement toute la société qui était devant lui. Et donc, à ce titre-là, c'est une œuvre qui est fondamentale. En plus, ce qui est tout à fait singulier, c'est que tous les articles ont été conservés, ou presque, par Émile Guillemin lui-même, et recueillis dans 41 petits cahiers collés. Et donc, on a ce témoignage face à nous qui est tout à fait important et singulier dans l'histoire littéraire. Le deuxième intérêt de l'œuvre journalistique d'Émile Guillemin, c'est que l'on découvre la pensée profonde de l'auteur. On voit ses combats, le combat syndicaliste, le combat politique, et puis même le combat humaniste. Puisqu'en fait, Émile Guillemin, au-delà de toute sa pensée, est quelqu'un qui croit profondément dans les valeurs humaines et qui cherche à faire s'élever les paysans. Et donc, il s'adresse aux hommes de la terre pour en faire des hommes de bien. Émile Guillemin pense que les paysans s'affranchiront par l'éducation et que c'est en apprenant, et en apprenant à tout âge, en apprenant enfant, en apprenant adulte, qu'ils vont réussir à s'affranchir. C'est par la culture qu'ils vont devenir des hommes plus intelligents et plus intègres. Et donc cet aspect de culture est fondamental aussi pour comprendre Guillemin. C'est d'ailleurs un des aspects qui révèle sa pensée littéraire, puisque c'est pour cela qu'il va écrire aussi. C'est pour s'adresser aux paysans et pour créer une littérature qui va s'adresser aux paysans et non pas à l'élite. Émile Guillemin compte dans l'histoire du syndicalisme paysan français. On est dans une région et à une époque où le syndicalisme ouvrier était très connu. Hein, c'est toute l'époque qui va, en gros, de Germinal, d'Émile Zola, jusque plus tard, jusqu'aux années 1920, lorsque la CGT est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et parallèlement à ça, là, il y avait le contexte ouvrier et il y avait le contexte paysan. Et il se trouve que dans quelques régions de France, dont celle-ci, les autres étant par exemple le Limousin ou le Midi Rouge au niveau viticole, hein, ce qu'on appelle le Midi Rouge, il se trouve qu'ici, on est dans un foyer extrêmement important de syndicalisme paysan. Alors qu'est-ce qui se passe? À quelques kilomètres d'Ygrande, il y a un monsieur qui s'appelle Michel Bernard, et qui, tout seul, au départ, tout seul. Ensuite, pas tout seul, puisque lorsqu'il donne rendez-vous un soir à ses collègues, à des métayers, il se retrouve à plus de 200 la première fois, décide de monter ici un syndicat des travailleurs paysans. Alors, sachant qu'à l'époque, ce mot paysan, bon, il a un sens très large, ça va du métayer, principalement le métayer, c'est-à-dire celui qui loue chaque année son travail, mais qui chaque année, au 11 novembre, bon, on peut le remercier. Hein. C'est celui aussi qui est soumis à ce qu'on appelle l'impôt colonique, c'est-à-dire que non seulement la moitié de tout ce qui produit va appartenir aux propriétaires, mais en plus, à ça, on doit retirer un tas de on va dire davantage exorbitant pour le propriétaire. Il se trouve que donc ce monsieur qui s'appelle Michel Bernard prend contact avec la plume locale qui est Émile Guillemin et vient voir Émile Guillemin et lui demande d'être celui qui va être leur porte-parole. Donc on va dire, je vais pas dire d'un côté la tête, de l'autre côté les jambes, pour paraphraser ce jeu connu, mais quelque part c'est ça, c'est-à-dire que Guillemin va être le rédacteur en chef d'une revue, alors je l'ai dans la main, Le Travailleur Rural, 24 numéros de 1906 à 1912, qui relate les combats des paysans. Alors,
On a toujours du mal à comprendre parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on peut dire ce qu'on veut très largement sans aller en prison et sans trop avoir de soucis. À cette époque-là, parler, c'était le risque immédiat de perdre son travail, d'avoir de très graves soucis. C'est pourtant ce qu'a fait Guillaumin et ce qu'ont fait des dizaines et des dizaines de paysans. Et il faut quand même savoir que c'est à peu près la moitié des paysans qui ont écrit dans Le Travailleur Rural qui utilisaient un surnom. Pour pas être reconnu, hein, le Bouvier, le Pâtre, voilà. Bon, donc le rôle de Guillaumin a été essentiellement un rôle de cristallisation de ce mouvement. Il faut quand même savoir que Le Travailleur Rural, qui était tiré à 2000 exemplaires, ce qui fait sourire aujourd'hui, dans la réalité était acheté par des locaux, des paysans qui n'avaient pas trop de sous, mais aussi par des bibliothèques en Europe, par des universitaires, par des politiques. Et ce mouvement qui a duré 6 ans, qui est inscrit ici dans Le Travailleur Rural, est un mouvement qui a amené à la transformation du métayage, certes des décennies plus tard, mais qui a engendré ce mouvement-là. Donc ça, c'est le premier aspect du syndicalisme paysan. Et le second qu'on retrouve chez Guillaumin, bien entendu, c'est sa propre expérience qu'il a relatée dans le roman Le syndicat de Bouginou. Guillaumin, dans les années 1912, et Michel Bernard, qui est un autre grand nom du Bourbonnais, ont accepté de s'autodétruire d'une certaine manière, quand ils ont vu que leur combat était un combat très dur et que derrière, il y avait quand même l'individualisme paysan qui restait, ils ont été fatigués et au bout de 6 ans, ça a été la fin de cette aventure. Fin de l'aventure, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, de nos jours, les thèses universitaires sur le syndicalisme bourbonnais et le syndicalisme paysan bourbonnais existent aux États-Unis, existent au Japon, par exemple. C'est donc dire l'importance de ce mouvement. Des pans entiers de cet homme-là ne sont pas connus. Bon, on l'a bien vu aujourd'hui, il y a un travail sur Émile Guillaumin, journaliste. Il y a aussi une très nombreuse correspondance de Guillaumin. Guillaumin a correspondu avec les auteurs importants, ou au moins avec une bonne partie des auteurs importants de l'époque. On l'a vu notamment à propos de ce qu'on a appelé la littérature prolétarienne, donc c'est l'échange de missives, avec Henri Poulaille. Mais on sait qu'il y a de très nombreux autres auteurs, alors qui aujourd'hui nous paraissent un peu lointains, mais je pense à des gens comme Bachelin, comme Perrochon, qui sont des écrivains importants de l'époque, et il y a eu de très très nombreux échanges. Donc déjà, il y a tout un pan qui reste là mystérieux. Il y a sans doute un autre pan qui lui révélera les failles de Guillaumin. Pour avoir feuilleté ce qu'on appelle les carnets de guerre d'Émile Guillaumin, on sait que Guillaumin était vaguemestre. C'est lui qui a apporté le courrier de l'arrière du front au front. Et donc c'est lui qui a eu des centaines et peut-être des milliers de confidences de soldats. Et il a écrit toutes ces petites histoires sur des cahiers à l'écriture très serrée. À titre personnel, je ne peux pas m'empêcher de penser que Guillaumin n'a plus été romancier après la Première Guerre mondiale parce que la réalité qu'il avait vue dépassait la réalité soutenable et entendable. Donc là, il y a vraiment un deuxième travail à faire. Ensuite, on s'intéresse très peu aux contes. Ils ont été réédités, mais ces contes sont l'expression de la tradition et de la littérature populaire. Et il ne faudrait pas le voir avec un côté folkloriste, entre guillemets, mais le voir comme l'émanation et la recherche des racines. Bon, et enfin, un dernier point peut-être sur Guillaumin, c'est que Guillaumin était complexe.
et un homme de son temps. Donc il faut avoir un décalage dans sa tête pour lire une partie de son œuvre. C'est vrai que si l'on regarde quelques descriptions sur la femme à son époque, il était certes en avance sur son temps, mais la femme reste une ménagère. Donc voilà, il faut aussi être capable de prendre le recul suffisant. Sachant qu'à côté, la philosophie même de Guillaumin est quelque chose qui reste en quête. Il y a le buste de Guillaumin à Ygrande, et tout le monde, lorsqu'on le voit, son buste, dit « mais c'est Gandhi ». Et quand on dit ça, on ne le dit pas pour rien. C'est-à-dire que l'émanation physique extérieure cache aussi un problème philosophique profond, et on sait que Guillaumin est quelqu'un qui a profondément lu, qui a été inspiré par des auteurs, on va dire aussi toute une voie sans doute protestante, même si lui-même était d'une obédience plus catholique, sachant qu'il ne pratiquait pas, et que lui-même, Guillaumin, donc, se définissait comme un libertaire aux idées de gauche. Donc en fait, c'est toute cette complexité du bonhomme qu'on pourrait retrouver à travers et ses carnets de guerre et les différents courriers qui pourraient nous permettre d'aller encore plus loin. Émile Guillaumin nous apporte le contenu philosophique, le contenu de la pensée du paysan. Oui, un paysan ne gaspillait pas. Un paysan n'avait pas recours au crédit pour rien. Un paysan cherchait l'autonomie. Toutes ces questions-là sont des vraies questions contemporaines. À tel point d'ailleurs que ce soit en France ou que ce soit dans d'autres pays dans le monde, je pense à l'Afrique, la question aujourd'hui du microcrédit se pose. Or, quelqu'un comme Guillaumin est un des fondateurs de la caisse locale de crédit agricole de Bourbon. Et pour les mêmes raisons, il y a un siècle, qu'aujourd'hui on se pose en Afrique, c'est-à-dire comment est-ce que je peux avoir un peu d'argent et que cet argent je le fasse fructifier sans tomber dans un système. Donc vous voyez, déjà toute cette question de Guillaumin paysan est essentielle. Il y a une seconde question contemporaine qui alors à mes yeux est complètement capitale, c'est celle de l'homme du bocage, c'est-à-dire c'est celle de l'homme d'un pays. Guillaumin a vécu ici à Ygrande, il n'en est pour ainsi dire jamais sorti, sauf quelques années de guerre et de service militaire. Mais c'est-à-dire qu'il est devenu quelque part le symbole, la transparence de ce lieu même. Le bocage existe encore aujourd'hui. Le bocage, c'était un mode culturel, c'était un élevage des arbres, une façon d'exister. On le voit dans les écrits de Guillaumin, on a tous les témoignages, comment par exemple on taillait les haies, comment on vivait ici, quel type d'exploitation il y avait. Donc c'est le second message qui me paraît très important. Et alors, il y a un troisième message chez Émile Guillaumin, c'est celui de l'idéalisme agissant. C'est une phrase qu'il reprend souvent, c'est ça, c'est une phrase de fond pour lui, c'est-à-dire c'est faire dans son humble sphère, alors l'humble sphère c'est la sphère privée, les amis, la famille, sa commune, faire le mieux, faire du bien. Et là aussi il me semble que c'est une des réponses à la problématique de notre société. Alors, voilà, Guillaumin, c'est le relire, c'est pas le relire uniquement pour une question de culture générale, c'est pas le relire uniquement pour une question de culture régionaliste, parce qu'on est bourbonnais, on veut lire un auteur bourbonnais, mais c'est le lire parce qu'on a des réponses à des questionnements contemporains.